Salut les amis! Quoi de plus beau que la naissance d'une nouvelle vie? Quoi de plus agréable que lorsqu'une petite créature tâtonne impuissante à la recherche de chaleur et qu'une mère lui donne son amour et son soin? Le chien lèche affectueusement son enfant, le réchauffe avec son corps. Et tous les soucis qui ont causé des désagréments pendant la grossesse sont oubliés. Dans la ville de Ramoni, de la région de Voronej, un chien de 2 ans de la race Cane Corso, nommé Kira, a donné naissance à 19 chiots à la fois, choquant ses propriétaires Albert et Natalia Mukhamdev. Selon le maître chien, le Cane Corso donne généralement naissance à 2 à 3 chiots. C'est arrivé subitement. Le premier chiot de Kira est apparu tard dans la soirée, puis ils ont commencé à apparaître toute la nuit jusqu'à 5h du matin. Nous pensions qu'il y aurait 3 chiots ou 6 au maximum. Pour nous, c'était une nuit folle. Kira s'est débrouillée et n'a pas eu besoin d'aide. Les 2 premiers jours, nous avons contrôlé le processus d'alimentation. Nous avons mis les chiots près de Kira par groupe de 6, explique Natalia Mukhamdeva. Dès le 3e jour de la vie des chiots, les propriétaires des chiens ont commencé à les nourrir avec un mélange spécial, car Kira n'avait pas assez de lait. Le propriétaire du chien a dû prendre des vacances pour nourrir les nouveau-nés toutes les 2 heures. Selon les propriétaires, avec la naissance des chiots, une véritable magie des nombres s'est produite. 19 bébés sont nés en 2019 dans la nuit du 19 janvier, et le père des enfants, un chien nommé Pharaon, a également fêté son anniversaire le 19. Malheureusement, un bébé n'a pas survécu. Mais les autres sont en parfaite santé. Ils sont incroyablement mignons. Surtout quand ils jouent ou boivent du lait. Et leur mère essaie de gérer une si grande progéniture, explique Mukhamdev. Albert et Natalia affirment qu'ils ont déjà appris à distinguer les chiots et leur ont donné tous les noms commençant par la lettre M. Marquise, Maurice, Max et ainsi de suite. La naissance d'un si grand nombre de chiots est une rareté, disent les experts. En 2011, un mastif du Tibet de la Chine a donné naissance à 19 chiots. Et en 2015, un dog allemand a donné naissance à 19 chiots. Peut-être que le Cane Corso de Voronej a établi un record du monde parmi les mères de sa race. Personne ne peut certainement dire à quel nombre de chiots tel ou tel chien peut donner naissance. Même une échographie n'aide souvent pas. Le nombre de races de chiens est très important. De plus, chaque chien a ses propres caractéristiques qui doivent être prises en compte. Mais il y a une race de chiens qui donne souvent naissance à un grand nombre de chiots. Laissons un dalmatien. Le film familier nous a marqué beaucoup depuis l'enfance. La réalité n'est pas si loin de la fiction des réalisateurs et des scénaristes. Non, en aucun cas un chien ne donnera naissance à 99 bébés. Cela est impossible du point de vue de la physiologie des chiens. Mais la progéniture de 10 à 15 bébés est bien réelle. Et souvent, ils sont absolument en bonne santé, ce qui est une très bonne nouvelle. Il convient également de noter que les bébés sont totalement dépourvus de pigmentation caractéristique. Ils naissent complètement blancs, les taches apparaissent un peu plus tard. Et leur emplacement, couleur et taille sera individuel chez chaque dalmatien, comme les tops sur le corps des gens. Et par exemple, les chihuahuas donnent naissance à très peu de chiots. De 1 à 4. Ils sont souvent de très petite taille, car le poids de la future mère ne doit pas être inférieur à 1,5 kg. Alors, elle ne tombera pas dans le groupe à risque. Ces bébés ont généralement besoin d'une aide pendant l'accouchement, car les représentants de cette race sont extrêmement fragiles et minces. Par conséquent, il est logique au moins pour la première fois de pratiquer des accouchements avec un vétérinaire. Êtes-vous d'accord que le fait qu'un chien vivant dans une famille n'est pas seulement un ami à quatre pattes, mais aussi un autre membre de la famille? Il vous remerciera toujours pour votre chaleur et votre attention. Il ne vous trahira jamais et, si nécessaire, il vous protégera. Si vous êtes d'accord, aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.